Combo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Fleur Delys trie son ras-le-bol. Elle en a marre, oui. Elle tape sec, elle dit trop, c'est trop à une sympathisante ou alors à une TKC. Appelée encore Mani 5 étoiles. Elle cite certaines personnes à ne pas partir à la soirée de Fleur Delys. Donc en fait, elle fait toute une campagne de sabotage. Tout ça parce qu'elle veut plaire à Compressor. Tout ça parce qu'elle est sympathisante ou alors elle est une TKC. Donc quand une personne s'hasarde là, perd la route que la personne pense que la personne peut saboter son événement. C'est la partie laquelle dit que la personne continue. Sinon, je suis très vénère. Je ne veux pas me battre comme ça pour que les gens viennent cracher sur mon travail. Oui, je suis très vénère. Je dis que pendant mon événement, vous allez m'excuser. C'est un coup de gueule sur les gens de la Belgique. Vous comprenez, non, c'est un coup de gueule. Et j'en ai ras-le-bol. Là où je suis là, je suis en train de mettre mon énergie, mon sommeil. J'ai mis mon sommeil de côté pour me battre sur mon événement. Hier, je suis partie sur un tas à 3h du matin. Et je peux vous dire que je fais comme ça depuis cet événement parce que c'est ma chose. Je suis devant. Je ne compte pas que j'ai une équipe et ceci, cela. Je me bats, je ne dors pas. Je suis dans les réunions et tout. Alors, je vais avertir une personne. Et c'est la première et la dernière fois. Je le dis aujourd'hui. Moi, je suis une bangando. Je suis une bangando. Je préfère d'abord te dire que tu arrêtes de salir ma soirée. Tu arrêtes de t'asseoir dans les restaurants en Belgique. Pour parler de mon événement, décourager les gens de venir. Je vais te dire que tu auras honte. Tu as compris? Tu t'assois au restaurant de kilomètre 5. Tu recommandes aux gens de ne pas venir à mon événement. Je te dois quoi? Tu avais les autres teams, c'est mon problème. Je te dois quelque chose. C'est-à-dire que ton nom pèse tellement dans ma bouche que je n'ai même pas envie. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie de te proposer. Tu ne me sers à rien. Je n'ai pas envie de prononcer ton nom. Parce que prononcer ton nom, c'était donner la visibilité. Et je ne veux pas prononcer ton nom. Alors je te dis ce matin, tu avais les autres teams. Je ne t'empêche pas d'être avec qui tu veux. Arrête de t'asseoir dans les restaurants en Belgique et de décourager les gens de venir à ma soirée. Tu es venu à ma soirée l'année dernière, tu as payé 100 euros. Plus ton convoiturage, 30 euros. Ça fait 130 que tu as dépensé, je ne crache pas dessus. Mais combien de relations tu as eues quand tu es arrivé à ma soirée? Combien de relations tu as eues quand tu es venu à ma soirée? Qu'est-ce que tu me veux à moi et ma yam sœur? Vous avez choisi vos camps, vous avez choisi vos teams, c'est vous qui avez choisi les camps. On ne vous en veut pas. Chacun fait son chemin. Quand on se voit, c'est bonjour, bonjour. Désormais, souvent, on ne se salue pas. Moi, je te dis, tu t'attaques encore à ma soirée. Je vais te mettre, je pars aujourd'hui. Il peut prendre soin de lui. Toi, tu as les tchotchons des enfants. Laisse mon nom tranquille, laisse ma soirée tranquille. Si tu ne vas pas venir, ce n'est pas un problème. Ne t'assois pas. Et je suis sûr que c'est toi qui es derrière Maëva. C'est toi qui es derrière Maëva Image. C'est toi, la fille-ci, qui est derrière Maëva Image. Pour le pousser à nous manquer le respect. Je n'ai jamais eu un malentendu avec lui de ma vie. Mais c'est toi qui es derrière. Parce que c'est toi qui as pleuré quand on t'a pas invité au mariage. Vous passez chez les gens, vous parlez de vos choses, vous passez de maison en maison en Belgique, vous parlez de vos vies, vous croyez que ça va pas se retrouver dehors. Tu ne sais à rien. Tu ne me sais à rien. Tu as ta vie que tu as choisie. Ce n'est pas derrière moi. Je ne veux pas de clash avec toi parce que je ne suis plus jamais en clash avec personne. Mais je te dis, tu t'attaques encore à ma soirée. Tu t'assois encore, tu parles de ma soirée, c'est kilomètre 5, machin, tout ça. Je te dis la vérité, je suis une bangando. J'ai grandi à Roubaix. Pas tes histoires que tu as le tatouage. Je te dis la vérité. Moi, je suis une ancienne Waka. Je te dis la vérité. Je ne suis pas comme vous. Je dis que je suis une ancienne Waka. J'ai seulement déposé. Tu parles encore de mon événement parce que quand je vois mon énergie que je mets là-dedans, je te dis, peut-être faire du mal. Pourquoi ma paix avec ma Yamse vous dérange autant? Mais allez créer vos... Pourquoi ça vous dérange autant? Tu as mis avec les gens que je connais, ma famille même, les gens que je connais. Tu te permets de t'asseoir dans un restaurant. Est-ce qu'on fait un secret dans un restaurant? Quand tu t'assois dans un restaurant pour parler de quelqu'un, tu dois essuyer ta bouche et de sur quoi t'attaquer à mon événement, dis aux gens de ne pas aller. Prépare-toi pour le sein. Prépare-toi pour le sein. C'est parce que quand je pense à mon événement, hein, il y a des choses que je vais vous répondre après. Je vais vous répondre après mon événement. Pour le moment, non. Je ne dis rien. Mais sors derrière moi. Quitte derrière moi. Quitte derrière mon événement. Tu n'as pas mis l'argent là-dedans. C'est mon argent, c'est mon énergie. Je n'ai pas fait de crédit à quelqu'un. Je n'ai pas prêté l'argent à quelqu'un. Je ne suis pas dans les clans. Colle-moi la paix. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas t'asseoir, tu découvres les gens. Je n'ai pas venu à mon événement. Parce que tu as vu qu'il y a une délégation de Belgique. Hein? Pourquoi vous n'aimez pas quand les gens sont en paix? Pourquoi vous n'aimez pas? Va t'occuper de tes enfants, ils sont trop petits. Ils sont tchon. Occupe-toi de tes enfants. Ah, c'est-à-dire que à ton âge là, quand on a les petits enfants, s'occupe d'eux. À quel moment tu t'assois pour faire la lecture aux enfants? À quel moment tu t'assois pour profiter d'eux? Vous pouvez être mince, être dehors tous les jours. Aller se pavaner dans toutes les soirées. On choisit ou on part. Nous on peut faire parce que nos enfants sont déjà grands. Ils peuvent préparer et manger. Seuls. Laisse mon événement tranquille. Quand j'entends ça venir de toi. Mais je ne sais pas pourquoi c'est un Bamileke aime combattre les Bamileke comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Organise ta part. Tu fais mieux. C'est quoi? Je n'ai pas envie de m'asseoir commencer à détailler ta vie. Parce que je ne suis plus dans ça. Je n'ai pas envie de m'asseoir commencer à parler de toi. Laisse mon événement tranquille. Tu ne vas pas venir. Les autres personnes vont venir. Tu ne vois rien sur ceux qui vont venir. Tu ne vois rien sur les gens qui vont venir des États-Unis, de partout, même de Paris ici. Tu ne vois rien. Malchance. Regarde-moi les femmes comme ça, dis donc. C'est quoi?
On vous a dit que celui-là, comme ça, je mets mon énergie, je mets mon sommeil, j'abandonne ma mère, je suis dehors, comme ça, vous avez dit que celui-là, parce que je vais monter les dents jaunes. C'est parce que je travaille. C'est quoi? Faites vos clans là-bas. Attends, je bloque la fille, c'est qui a écrit un nom là. Parce que c'est comme ça que vous êtes toujours. Merde! Là, comment ils sont en train de courir? Attends, je bloque la dame ici. Comment je fais pour la bloquer? Mouna, Sona, Mouna, c'est quoi la Sona? Papa? Donc, moi je comprends pas, Véronique Amas, pourquoi les gens sont aussi méchants? Tu vas t'asseoir dans un restaurant où c'est kilomètre 5, tu parles de moi, tu ne parles pas de mon événement, mon frère. On t'a dit que j'écarte, je niasse avec les managers pour que machin. Je ne suis pas comme d'autres femmes qui font les soirées là, hein. Qu'elles écartent les jambes partout. Moi le travail c'est le travail, tu travailles pour moi, je te paye. C'est comme ça, je ne paye pas en nature. Mais l'équipe que je ne paye pas en nature. Malchance, c'est de ma faute. Ah, maman, c'est ma faute s'il y a eu mariage. On va tout vous niasse derrière les voitures. Vous allez tout sucer derrière les arbres. Malchance. N'importe quoi. Ah, franchement, le jour qu'elle veut me marier, Seigneur, envoie-moi le mari. Hey! Le jour qu'elle veut me marier, j'entends seulement que dans la salle, il y a les voitures. Et c'est vous qui courez pour aller vous mettre au premier banc. Qu'on en parle. Qu'on en parle. Les niassements dans les voitures de ça. Vous savez quoi? J'ai décidé de le laisser tranquille parce que je vais être tranquille. C'est pour ça. Hein? C'est pour ça. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vaut mieux avoir un enfant qui réussit que d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants qu'on ne connaît pas le sens. En patron, dit que, quand que Dieu me donne les enfants, Dieu me donne l'enfant. Parce que Dieu te donne souvent les enfants, les. Et parmi les enfants, là, il n'y a personne qui peut prendre soin de toi. Mais Dieu peut te donner un enfant et l'enfant te célèbre comme je fais pour ma mère. Et c'est comme ça que mon fils fera pour moi. Parce que j'ai un fils unique. Et je suis celui qui s'occupera de moi. Parce qu'il prend de mes nouvelles quand il s'élève. Maman, tu as bien dormi. C'est déjà ça. N'importe quoi. Je ne veux pas parler, hein. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas moi parler. Voilà que j'étais au mariage là-bas. On dit que c'est moi qui ai fait le Congo ça, qu'il y a quelqu'un qui est sorti du champ pour décourager la mariée de se marier. Que c'est moi. Alors que l'homme doit venir dire que merci. Quelque chose que les gens ont oublié. Moi, je vous dis, j'ai la liste de vos noms. Je ne veux pas poser par terre. Parce que vous êtes des femmes mariées. Parce que vous êtes des mères. Parce que vous êtes des ceci. Vous avez besoin de chauffer aussi vos couilles tout quand vous gratte. Il y a les toits d'araignée. Vous avez besoin de gratteurs. C'est pour ça que. Maman, faut calme-toi. C'est pour ça que vous avez besoin des gratteurs. Les gratteurs de Kouetou. Là où je suis là. Maman, j'ai très bien dormi cette nuit. Oui. Le mariage, je m'appelle. J'ai dormi. C'est-à-dire que j'ai joué 8 fois. Et je me lève, mon corps est léger. Je m'en vais travailler. Je suis fier. Une bande de vieilles rombières. Si vous n'arrivez pas à jouer, c'est mon problème. Si vous êtes coagulé. Hein? Si l'homme vous touche, vous ne prenez pas votre. Si vous êtes rigide. Les femmes qui ne jouent pas frigides, c'est mon problème. Je ne suis pas frigide. Maman, j'ai le clitoris qui gonfle. J'ai le haricot qui gonfle. Et quand je niais, je sens du bien. Malchance. C'est quoi? C'est le 2 novembre. Ça ne chauffe pas. Laissez mon nom tranquille. C'est quoi? Ma foyer Meni Solange. La reine mère. Elle te fait un big up à toi. Il y a une fille là-bas en Belgique qui s'assoit au 5, restaurant kilomètre 5 pour saboter ma soirée qu'elle ne viendra pas. Même si elle ne viendra pas, elle a besoin d'aller s'asseoir et raconter. Elle vaut quoi? Makalama Bobé, maman, ça va. Content de te lire. Merde, elle s'assoit au kilomètre 5, soit disant qu'elle est de la team de mon ex-copine. Ma chérie, tu ne vaux rien. Tu es venue l'année dernière, tu as pris le convoiturage, 30 euros aller-retour, tu as payé ton ticket, 100 euros, c'est une très bonne chose. Tu m'as motivé, merci. Mais tu ne vas pas mettre la corde au cou parce que c'est quoi? Hein? On va tout voir. Tu cherches le nom, c'est chez moi. Va chercher chez les choupinettes là-bas avec les autres. Va aller chercher les noms chez les faux profils. C'est quoi? Si vous ne me prononcez pas, vous ne serez pas star. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu me laisses carrément devant la gare du Nord bientôt? Merci, c'est gentil. Mais maman, si vous n'arrivez pas à faire l'amour, une femme qui fait l'amour, elle se lève, elle est léger. J'ai fait l'amour hier 8 fois. Je viens de rentrer. Je ne suis même pas encore là, je suis dans le taxi. Oui, 8 fois. N'importe quoi, vous avez les centaines de shows, mais vous ne prenez pas du plaisir. À force de partager partout. Maman, je partage, l'arachide du deuil. Maman, mon couteau, c'est le diamant. Je suis arrivé en France en 2001. Ça fait combien d'années? De 2001 à aujourd'hui. Mon couetou est serré. Oui. N'importe quoi. Mon couetou, c'est le diamant. On ne me niasse pas derrière les voitures. C'est dans moi les waka des parcs de bière. On appelle en Belgique, hein, les waka des parcs de bière, on appelle que le café. Tu es là-bas, toi, Enneke. Tu pas niasse. Malchance. Regardez-moi les choses, mon frère. Je peux compter les mbanzouk qui sont entrés dedans. De 2001 à aujourd'hui, demandez à qui vous voulez. J'ai vécu à Lille. Combien de personnes m'ont niasse? Il n'y a que mon gars là, celui qui danse avec le mur. Qui est parti épouser une de mes copines. Elle est mariée, mon gars, pour me faire du mal. Vous connaissez le pasteur, celui qui est devenu pasteur. Après lui, il y avait encore qui? Il y avait le chanteur là. Imaginez 25 ans, 3 gars, c'est moi, je suis sorti avec. Et mon Sénégalais.
C'est tout. Mais vous et moi, c'est la même chose. Vous, on connaît toute la couleur de ce que vous portez, ma. Il faut arrêter. C'est quoi? Je ne suis pas votre égal, hein. Je suis votre grande soeur de loin. J'ai eu mes 45 ans, bien compté. Et le couetou est jeune. Vous dites que vous êtes jeune, mais vos fesses sont ouvertes, je ne comprends pas. J'ai fait l'amour toute la nuit. Et ça faisait 8 mois, je n'avais rien fait. Mais j'ai bougé l'hôtel. L'hôtel, là, m'a dit, quand il est parti, ils ont dit au revoir. Tu sens que. Mais attends, laissez-moi, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. Oh, je ne peux pas le week-end avec ma yamse. Mais si vos teams sont les teams désordonnés, moi, ma yamse, moi, une place à vie. Nous, on ne s'embrouille pas. Il faut voir comment je suis plié, ma yamse, que yamse chou. Pardon, si l'autre te salue. Elle m'a dit que la repompe, elle salue qui m'offre. Elle salue qui? Une personne qui parle là-bas, elle nous sabote. Quand elle a salué, elle salue pas. Elle dit que ouais. Comme si tu derrière les ouais, ma yamse, tu as raison. Tu avais raison de dire que ouais. Je vais plus te forcer. Hé, hey, la reine, elle le mariage, Julien Zombie. Je suis derrière les gars du Nord. On se retrouve devant le restaurant que tu connais là. Attends, même mes choses à la conscience avant d'aller tourner. Il doit me coiffer. Il faut que demain soit au mariage. Je sois une bombe. Mais je ne comprends pas les filles là, sont que elles sont derrière Facebook. Mais quand elles nous voient, elles voient comment on est en joie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ma joie de vivre, notre joie de vivre, ça vous dérange en quoi? Hein? Quand vous nous voyez qu'on est dans le Njoka, ce week-end avec Mayam, c'est la rive là. C'est balata le. C'est-à-dire qu'on a le bateau, on a le mariage, tout ça là. On va en Njoka. On ne pense pas à vous, ma. On ne vous pense pas. Laissez-nous arriver. Arrêtez de penser à nous. C'est quoi? On ne pense pas à vous. Laissez-nous tranquille. Je t'assois au restaurant le kilomètre 5. Restaurant le kilomètre 5, il ne faut pas accepter le sabotage parce que mes flyers sont là-bas. Le restaurant le kilomètre 5, n'acceptez pas le sabotage. Hein? N'acceptez pas le sabotage dans votre restaurant. Hein? N'acceptez pas. Ce sont les filles des canettes de bière. C'est quoi la baisse, non? En Belgique, on boit quoi? Donne-moi les baisses, c'est la baisse. Oui, c'est ça, non, la baisse. C'est quoi? Naweti? Hein? Pourquoi vous êtes aussi haineuse? Pourquoi tu. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne te connais pas, moi. Je ne te connais pas. Naweti? Je ne comprends pas les gens. Hein. Tu te lèves un matin, tu dois t'asseoir au kilomètre 5. Tu vois une délégation qui arrive de Belgique. La délégation de Belgique n'a plus deux tables de 1500 et deux tables de 1000. Hein? Je dis ce que là, ils ont payé, ce qu'ils ont pris. Et j'ai encore envoyé une table pour dire qu'on me vend ça là-bas. Parce qu'il dit que Missika Simo et tout, c'est ton ami, non? Je l'ai déjà dit que de te dire que tu laisses mon nom tranquille dans les restaurants, maman, pardon. Je ne suis pas une fille qui traîne, tout demain, je ne suis pas une traîneuse. On me voit parce que je suis là, mais je suis en train de me battre. Je suis une fille qui se bat, laissez-moi. Je ne suis pas l'enfant du ministre, n'est moi personne, laissez-moi. Laissez-moi. Oh. Laissez-moi. Oh. Laissez-moi. Oh. Je suis vierge, laissez-moi. Oh. Laissez-moi. Oh. Je me vois, c'est mon tes descend. Laissez-moi. C'est vous qui avez les goûts. Laissez-moi. C'est quoi? La reine est le mari, pas mettre ma conscience à la conscience. Laissez-moi. C'est quoi? Quand je veux parler, on va dire que. Les gens ne savent pas l'importance que c'est d'aller dans un événement. Tu achètes l'habit. Hein? Tu achètes l'habit. Tu te coiffes. Hein? Tu fais ci. Tu pars. Pourquoi on vient te manquer de respect? Dis non. Je ne peux pas te manquer de respect parce que tu viens à mon événement. Mais arrête d'aller t'asseoir dans un kilomètre, tu parles mon nom. Eh bien, laissez mon nom, oh. Ne bois pas moi la bière. Non, laissez-moi. Ne bois pas la bière, laissez-moi. Laissez-moi, oh. Laissez-moi tranquille, laissez-moi concentrer, laissez-moi, oui. Vous savez que je suis fille déterminée. Quand je travaille, vous avez vu l'année dernière comment j'ai travaillé pour les venus. Hmm? Oh, le chewing-gum, ok, chérie. J'ai jeté, désolé. Tu sais que tu m'as. Bon, je vais manger une salade vite fait, à ma chambre. Laissez-moi, oh. C'est quoi? Donc, quand vous ne voyez pas sur Facebook là, vous ne voulez pas. Hein, les gens, quand vous restez, laissez-moi vendre mes tickets. Ça ne tombe pas du ciel, c'est le travail qui paye. Je vais laisser ma valise à la consigne. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. Bref, c'était juste pour te dire, petite soeur, je ne sais pas si tu es ma petite soeur, que sache que où tu vas t'asseoir publiquement pour parler de moi, ça va venir me trouver. Moi, ce qui me fait mal, c'est que quand tu me vois, tu me dis bonjour. Pourquoi tu me salues alors si tu vas t'asseoir et me saboter? M'adresser à cette paresseuse, ces femmes paresseuses qui sont venues en Europe avec le seul capital, leur couetou, le capital, les fesses. Que vous allez vous asseoir, l'homme va changer. Un homme va gnasser, il va changer votre vie. Non. La femme respectée, celle qui travaille. Je me lève tous les jours. Vous allez vous asseoir, boire les canettes de bière et parler mon nom. Vous et moi, c'est la même chose. Hmm? C'est quoi? Naweti? Pourquoi que je ne fais pas dire parce que je n'ai pas dit? Non, c'est parce que je suis assez tranquille. C'est quoi? Même si ça avait les mains, je suis prête. C'est trop. Je vous dois quoi? Ça, c'est dans les restaurants. Je fais la publicité du restaurant en même temps. Vous asseyez au restaurant le kilomètre 5. Vous parlez mon nom. Pourquoi? Me saboter, dit que ne partez pas. Pourquoi? Vous avez passé des années à vouloir me noircir. Regardez comment je brille. Coucou, ma sister d'amour.
Coucou ma sister Jaguar, je te fais des gros bisous, sis. Merci beaucoup. J'ai vu que mon président a cassé sa caisse. Le président a cassé sa caisse hier. Il a même failli se blesser. Le président m'a cassé la caisse. Il dit que quoi? Il vient le week-end. On fait la caisse. Il a pris la caisse. Il a boxé la caisse. Je crois même que c'est les tchang-tchang. Hein. Mais il y avait les 50-50. Mais oh, mais président, c'est tout. Mais est-ce qu'on met 50 euros dans une caisse? Mais ça, c'est les 5-5. C'est les tchang-tchang, non? C'est la tchirli. Oh. Il fait un bigot dans mon président. Et ça, Dulcinée. Voilà ce qu'on appelle le mariage. Les gens ont parlé. Vous avez là vu Jaguar Amout venir s'asseoir à côté du président pour activer un direct. Jamais. Quelqu'un se marie, n'est même pas encore à lune de miel. Sa femme commence à l'encourager que le Komoussa avec eux. On va toujours faire le Komoussa. Et il y a Marielle qu'on fait pour Komoussa. Voilà ma sister qui s'est mariée. L'année prochaine, ils fêtent leurs 10 ans de mariage, le couple Amout. Et ils sont toujours amoureux comme si c'était le premier jour. Il faut les voir complices. Ils sont toujours amoureux que merde. Ils sont toujours complices. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, on a continué pour les pailles. Aujourd'hui, tout le monde vend les pains de mariage. Nous, je dis bien que hein, tous les mariages que vous voyez, on parle, on achète les pains. Oui, oui, c'est monté, c'est descendu, mais ça reste le plus grand mariage de la décennie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas le deux de ça. L'homme qui va m'épouser, s'il n'organise pas un mariage comme vous faites, il laisse, il travaille. C'est pour ça que la façon que sent que le mariage m'appelle là. L'homme qui va m'épouser doit d'abord bien chercher l'argent. Parce que le mariage doit être. Quand ça s'asseye dans le restaurant en Belgique, kilomètre 5 pour saboter la soirée de votre reine, mais est-ce que c'est normal? Hein, Adama. L'homme qui va m'épouser sera papa. Bref. Je laisse. Je ne parle pas. Je laisse. Je vais appeler votre père. J'appelle le père des amis. J'appelle mon mari. Mon ami trop fatigué, je m'appelle. J'appelle ce gars, j'appelle votre père. J'aime pas, j'appelle votre père. Je vais laisser m'appeler papa. Hein? Non, il y a une fille en Belgique qui va t'asseoir dans un restaurant. Elle fait le sabotage, qu'elle décourage les gens, mais c'est venu me trouver. Oui, au kilomètre 5, c'est là-bas qu'elle est partie. Oui. Je vous laisse, papa m'appelle. Je vous aime, bisous.